les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui est crucial, que je fais depuis maintenant 10 ans je dirais, un tout petit peu moins, mais c'est un élément qui me permet vraiment d'évoluer, d'évaluer mon évolution. Qu'est-ce que je fais chaque année au minimum? Voilà, en fait c'est les résolutions du nouvel an, donc alors je vais taper dur, je sais, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des résolutions au 31 décembre alors qu'ils ont des petits problèmes, tu vois, pour réfléchir. Ils disent, ouais, comme ça, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter blablabla. Et donc, le janvier, ça peut tenir éventuellement. Quoique, c'est déjà la fête, le 1er janvier, tu vois, le nouvel an. Déjà, allez, j'arrête l'alcool, hop, le 1er janvier, on fait ça, on verra demain. Ok? C'est comme les salles de sport, jusqu'au 15 février, elles sont pleines. Et après, tu vois, ouh, ça baisse, tu vois. Donc, je veux surtout pas ça pour vous. Donc, vous devez programmer votre année, chers amis. C'est le minimum. Moi, pour ma part, donc, j'ai commencé avec l'année, après, j'ai fait au mois, après, à la semaine. Et maintenant, bah, vous savez où j'en suis au jour, voire à l'heure, voire à la minute. Alors je sais que ça va surprendre, mais c'est bien vrai, voilà. Quand tu veux bah, évoluer, bah, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Tu peux pas... c'est comme si tu avançais, comme si tu avançais sans voir ce qui se passe devant toi. C'est pas possible. Voilà, chers amis, cette petite leçon de morale passée, mais je ne suis pas moraliste. J'accepte les grandes critiques, à bientôt.